Des joueurs de ce 15 de légende. C'est vrai, beaucoup d'aventures humaines, d'aventures sportives, de souffrances par moment, que ce soit à l'entraînement, sur les plaquages, sur des terrains boueux, d'hiver très très froid, mais aussi de moments extraordinaires, de grand ciel bleu, de grandes fêtes.
de beaucoup de plaquages, de passes, un ballon qui a été distribué entre les différents joueurs et puis d'autres ballons plutôt alcoolisés de fin de troisième mi-temps, parce que c'est vrai qu'avec beaucoup des amis, voilà, on a vécu une histoire. On a fait des matchs de merde. Donc voilà, donc le 15 de légende, c'est un petit peu utopique, mais ça fait extrêmement plaisir de faire partie de cette équipe. Christophe Nofou aujourd'hui, Alexis Palisson, Marc-André évolue au poste de délié ou arrière. Tu as l'impression d'avoir révolutionné le poste délié avec ton gabarit hors norme, encore une fois, je le répète. Enfin, je ne sais pas, après on parlait, Philippe disait des cadrages, des bons demandes, des points, ça va faire de passe. Je crois qu'avant tout, il faut avoir un petit peu de talent, beaucoup d'état d'esprit, beaucoup de valeur. Et après, je crois que le rugby, et Camille, ce n'est pas forcément un bon sens physique, mais c'est incroyable. Après, il y a aussi ce qu'on y met, ce qu'on a envie de faire. Et à partir de là, qu'on soit grand ou petit, si on a envie de faire des choses incroyables, je crois qu'on y arrive. Novice en arrivant là-dedans, je cherchais les repères, je cherchais les symboles, je cherchais les trucs à quoi me raccrocher. Et c'est vrai que les gros, c'était quelque chose qui me rassurait. Dans mon jeu, ça n'a pas été compliqué. Il y a un énorme train qui est arrivé avec une locomotive qui est le numéro 15 et des énormes wagons qui étaient accrochés à cette locomotive. Et il a fallu que je cours, j'essaie d'en choper un pour m'accrocher au truc. J'arrivais de Saint-Germain-en-Laye, j'avais un an de rugby et ensuite il y a deux mecs qui ont fait des paris, Robert, Patron, Envoie. Je ne suis pas redescendu, je les vois ce soir, j'ai la même, c'est fabuleux, je suis comme un mot, mais j'ai la même bleue. Je ne parle même pas des joueurs qui sont alignés sur la liste. C'est modestement dit. Non, c'est pas modestement dit, c'est honnête. Je sais pourquoi j'ai été payé pour des qualités physiques qui étaient un peu décalées à l'époque. Et puis j'ai essayé d'apprendre au contact de Rio, au contact de ces mecs-là. Et j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, mais je sais que. Même d'un point de vue personnel, j'ai été branleur, excusez-moi madame, mais j'ai été un peu branleur, j'ai pas pensé, mais j'ai un peu navigué sur les acquis. Mais ce que j'ai vécu d'un point de vue affectif, les joueurs à Paris, la Paris ou le Val, je suis vachement fier d'ailleurs pour les Paris-Nantes, d'être un représentant de Paname et d'être arrivé à faire ça, c'est.